à tous, j'espère que vous allez bien. Alors en fait, je voulais partager avec vous une réflexion de ma journée d'aujourd'hui. Et du coup, je ne sais pas si ceci va débouler sur le. C'est Sophie Chac qui fait un défi des 365 lives. Donc on va voir si j'arrive à tenir le défi. Je crois pas trop, mais on verra en attendant. Je voulais partager quelque chose avec vous aujourd'hui. En fait, j'ai eu une amie au téléphone. Coucou Émilie Wallis, je ne sais pas laquelle des deux est là. Ou votre stagiaire, petit doute. Donc je voulais partager avec vous quelque chose que je trouve assez intéressant, que j'ai vu suite au sommet de la réussite. C'est qu'aujourd'hui, j'ai une amie qui m'a appelée et elle était assez triste parce que c'était la fin de l'école pour ses enfants. Parce qu'ici en Espagne, en fait, ça finissait aujourd'hui l'école publique. Et coucou Émilie, merci de préciser. Parce que vous savez, parfois il y a des comptes, ils sont plusieurs, donc on ne sait jamais qui nous parle. C'est pas évident. Et en fait, elle me disait qu'elle était triste parce que c'était la fin de l'école pour ses enfants. Et une de ses filles finissait le primaire. Et du coup, il y avait beaucoup de pleurs d'enfants. Enfin, que c'était émotionnellement difficile. Il y avait cette émotion de tristesse. Et je sentais une sorte de rejet de cette émotion-là, comme quoi elle ne voulait pas la sentir. Et d'une certaine façon, je trouvais ça dommage parce que c'est OK, en fait, à une fin d'année, surtout quand il y a un changement de cycle, bah effectivement, c'est une séparation, c'est un au revoir, pas forcément un adieu, mais en tous les cas, c'est un au revoir parce que bah, il y aura des parents différents l'année suivante, des copains différents, éventuellement un adieu avec certains d'entre eux. Et du coup, je me dis, c'est marrant à quel point on a du mal à accepter nos émotions, qu'on peut dire négatives. Et en soi, les accepter, je repensais à l'exemple de David Laroche qui est que, imaginez, je vous dis que je suis pilote de l'avion, vous inquiétez pas, j'ai éteint tous les indicateurs qui nous disent qu'il y a un problème dans l'avion. On va voler. Forcément, s'il y a une panne, vous n'allez pas le savoir. La destination risque de pas être très belle, on est d'accord? Donc en fait, ce qui est intéressant là, c'est que cette semaine, je suis le sommet de la réussite. Alors je sais plus quel intervenant, je vois tellement de vidéos en ce moment, je sais plus. Mais en fait, c'est génial parce que. Au moment où elle ressent cette tristesse, il y a deux façons de la percevoir, c'est-à-dire, et c'est important de la recevoir et de la vivre, mais ce que je trouve intéressant, c'est est-ce que je la garde comme la tristesse avec la perte et la séparation, ou est-ce que je le garde comme indicateur, c'est le moment super important là, ou est-ce que cette tristesse, cette peine, je la garde comme indicateur que j'ai ressenti beaucoup d'amour, beaucoup de joie dans cette relation-là, et que c'est dire au revoir, enfin fermer un livre où il y a plein de beaux souvenirs, et en ouvrir un nouveau où il y en aura forcément de nouveaux beaux souvenirs. Et du coup, je me fais la réflexion suivante, voilà, qu'est-ce qu'en fait, on n'est pas conscient souvent de ce qu'on choisit par rapport à une émotion, et donc là, je me disais, bah tiens, en fait, qu'est-ce qu'elle choisit la perte, qu'est-ce qu'elle voit juste la tristesse de ne plus vivre des moments? Ou est-ce qu'on choisit de voir cette tristesse comme aussi la beauté de tous les moments partagés? Ça nous permet peut-être de prendre conscience de l'amour qu'on a pour ces personnes-là, à un grade plus ou moins, c'est pas obligé d'être l'amour avec un grand A. Enfin bon, c'était ma petite réflexion du soir. Et donc je ne sais pas si ça vous parle. Dites-moi en commentaire. Effectivement, c'est la question sur comment on va interpréter notre émotion. Donc en l'occurrence, là, c'est pas un warning qui nous dit quelque chose de mal. C'est juste une tristesse qui nous dit qu'il y a une fin. Et qu'il y a un nouveau début. Et qu'est-ce qu'on met derrière en fait? C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'on regarde juste le manque ou est-ce qu'on regarde toute la richesse de ce que nous a apporté cette relation? Donc je vous laisse réfléchir là-dessus. Et sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt!